Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Panel Africa TV, la chaîne de la Renaissance africaine. Alors, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir pour cette toute première édition du plan David Covid-19 un professeur de renommée mondiale que l'on ne présente plus. Il s'agit de Lazare Kaptur. Bonjour professeur. Bonjour madame. Alors, vous êtes actuellement président du conseil d'administration de l'Université des Montagnes. Vous êtes également le président du conseil scientifique du plan David Covid-19 et par ailleurs directeur à l'époque du laboratoire d'hématologie et d'immunologie du CHU de Yaoundé, laboratoire dans lequel l'on a fait la découverte du sous-type O du VIH1. C'est bien cela, madame. Alors, professeur, quel est l'état actuel de la recherche sur le Covid-19 dans le monde? Eh bien, merci pour cette question. Je crois que de nombreux travaux ont été faits sur ce virus. Sur le plan clinique, nous connaissons maintenant à peu près toutes les manifestations cliniques de cette infection. Sur le plan diagnostique, on a mis sur pied un certain nombre d'outils diagnostiques qui sont utilisés, en commençant par le scanner et les tests biologiques. Sur le plan thérapeutique, beaucoup d'essais cliniques sont en cours et l'essai clinique qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celui qui porte sur l'utilisation d'hydroxychloroquine avec le zithromax et dont l'acteur principal est le professeur Didier Raoul de Marseille en France. Eh bien, ce protocole est utilisé en France et dans beaucoup d'autres pays comme au Sénégal, au Cameroun et peut-être dans d'autres pays. Tout récemment, le journal de réputation mondiale qu'on appelle le Lancet, un journal anglais, a publié des résultats du travail portant sur 96 000 malades, eh bien, qui a démontré que l'hydroxychloroquine n'était pas sans effet secondaire. Et en particulier, ils ont démontré que, eh bien, ça entraînait des troubles du rythme cardiaque qu'on appelle l'arythmie et que le taux de mortalité serait probablement très élevé. Je pense, et peut-être pour cette raison, que l'Organisation mondiale de la santé a demandé que l'on suspende les essais de ce protocole dans un certain nombre d'endroits où on était en train de les faire. Donc, c'est pour dire que sur le plan thérapeutique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et puis, vous avez des études africaines qui ont été faites, par exemple, à Madagascar, avec l'utilisation de Artemisia annua, et dont les résultats ont été publiés par le président malgache lui-même. Vous avez le protocole de l'archevêque métropolitain de Douala, qui est l'archevêque Cléda, Monseigneur Cléda, et dont la recette est utilisée un peu partout au Cameroun à l'heure actuelle. Et on pourrait multiplier le nombre de cas. C'est pour dire que dans ce domaine, beaucoup de choses ont été faites. Également, sur le plan vaccinal, des études vaccinales sont en cours en Chine, en Europe, en Amérique du Nord. En Afrique, je ne sais pas si ces études sont déjà en cours, mais au moins dans ces pays que je viens de citer, eh bien, des études sur la mise sur pied d'un vaccin sont en cours.
Et il y a bon espoir que d'ici peu, probablement, on pourra avoir un vaccin. Et en dernier lieu, sur le plan de la physiopathologie, c'est là où, à mon sens, on balbutie encore. Parce qu'une étude récente portant sur des autopsies sur des sujets morts de corona, eh bien, ont démontré que eh bien, la cause de la mort chez ces sujets, eh bien, c'était des thromboses veineuses, qu'on appelle dans notre jargon coagulation intravasculaire disséminée. Or, dans la panoplie des thérapeutiques qui sont utilisées actuellement, rares sont celles dans lesquelles on utilise les anticoagulants. Or, s'il y a coagulation intravasculaire disséminée, c'est-à-dire s'il y a formation de caillots dans les vaisseaux de l'organisme, le meilleur traitement à l'heure actuelle, ce sont les anticoagulants. Or, on ne les utilise pas pour l'instant. C'est pour dire que, avec la publication de ces divers résultats de recherche, nous sommes obligés de revoir en permanence notre approche thérapeutique, tout simplement parce que la physiopathologie n'est pas encore connue de façon vraiment certaine. Je peux prendre un exemple. Il y a des études qui démontrent que l'insuffisance respiratoire aiguë qui emporte les malades n'est pas en fait due à une défaillance pulmonaire, mais qu'elle serait due plutôt à une défaillance des globules rouges. En effet, vous savez, le globule rouge transporte une substance qu'on appelle l'hémoglobine. Sur cette hémoglobine, il y a le fer qui est fixé sur l'hème, une molécule qu'on appelle l'hème. Or, il semble, d'après certaines études, que le virus, soit le virus entier ou certains de ses composants, eh bien, vient enlever le fer de son site sur l'hème de l'hémoglobine et se fixe sur ce site-là. Ce faisant, l'hémoglobine devient incapable de fixer l'oxygène et par conséquent, incapable de transporter l'oxygène pour distribuer dans tout l'organisme, incapable de transporter le CO2 des tissus aux poumons pour être rejeté. Alors, vous comprenez, tant que nous ne saurions pas complètement quelle est la physiopathologie réelle de cette pathologie, de cette infection, eh bien, nos armes thérapeutiques poseront toujours des problèmes. S'il est démontré que, en fait, ce ne sont pas les poumons qui sont défaillants, que ce sont les globules qui sont défaillants, par exemple, dans le cas que je viens de citer, ça voudra dire que nous devrions agir au niveau des globules rouges, par exemple, faire ce qu'on appelle une exsanguinotransfusion. C'est-à-dire enlever les globules rouges qui sont inefficaces parce qu'ils ne peuvent plus transporter l'oxygène et remplacer ces globules rouges par des globules rouges normaux provenant d'un donneur. Donc, vous voyez toutes les conséquences. Donc, je pense pour ma part que nous avons encore beaucoup d'études à faire sur le plan de la physiopathologie. Sur le plan thérapeutique également, je viens de citer un exemple, à savoir que la plupart des protocoles utilisés actuellement n'emploie pas des anticoagulants, alors que si la cause de la mort est effectivement la formation des thrombies, c'est-à-dire des caillots dans la circulation sanguine, on ne peut pas traiter ces sujets sans utiliser des anticoagulants. Bref, comme je l'ai dit en commençant, beaucoup de travaux ont été faits, mais il y a encore pas mal de points d'homme et qui nécessite d'autres recherches. Alors, quelle a été la réaction des gouvernements et des chercheurs africains face à cette pandémie? Donc, je dois dire que, pour ma part, j'estime que les gouvernements africains ont vraiment bien réagi à la riposte contre cette pandémie. En effet, la plupart de nos pays ont appliqué à la lettre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, à savoir la mise en œuvre des mesures barrières. Et je crois que c'est la mise en route de ces mesures barrières qui, pour ma part, expliquerait en partie au moins pourquoi l'évolution n'a pas été foudroyante chez nous comme ailleurs, pourquoi l'évolution n'a pas été exponentielle en Afrique comme en Asie, en Europe, en Amérique. Donc, il y a ça, mais je ne dis pas que c'est la seule raison, mais ça peut être une des raisons.
Le seul point qui, pour ma part, a flanché un peu, c'est le fait que nous avions fermé nos frontières un peu tardivement. Parce que si vous regardez dans tous les pays, que ce soit chez nous au Cameroun, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, eh bien, la plupart des cas que nous avons connus dans nos pays sont des cas d'importation, des cas importés, c'est-à-dire des cas qui viennent d'extérieur. Les cas autochtones, à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc, c'est pour dire que si on avait fermé précocement les frontières, eh bien, on aurait pu limiter les dégâts. Mais qu'à cela ne tienne, mieux vaut tard que jamais, ça a été fait et c'est tant mieux. Ensuite, les mesures barrières dont j'ai parlé tout à l'heure là, ont été mises sur pied. Mais je pense pour ma part que l'assouplissement de certaines de ces mesures a été un peu prématuré. Par exemple, l'autorisation d'ouverture des bars après 18 heures, l'ouverture des boîtes de nuit, je pense que pour ma part, je peux me tromper, je pense que ça a été un peu prématuré, on aurait dû attendre un peu. Parce que comment on pouvait aller dans une boîte de nuit et respecter la distanciation sociale, ce n'est pas possible. Donc, c'est là quelques faiblesses qu'on a observées dans la riposte de nos pays. Mais encore une fois, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Si vous êtes un homme d'action, vous vous tromperez toujours. Donc, tout cela n'enlève rien au mérite de nos dirigeants qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Venant aux scientifiques, sur le plan scientifique, là aussi, je pense que les chercheurs africains ne sont pas restés inactifs. Si je prends le cas du Sénégal, par exemple, bon, l'équipe de l'hôpital FAN a fait pas mal de travail. Je crois qu'ils ont publié les résultats sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine et puis avec l'association avec l'antibiotique qu'on appelle le Zithromax. Et je dois dire que même si certaines personnes décrivent l'utilisation de l'hydroxychloroquine, les arguments scientifiques que ceux qui l'ont utilisé avancent me convainquent. Par exemple, quand on dit que la prise de l'hydroxychloroquine abaisse la charge virale de façon substantielle, ben pour moi c'est un argument scientifique énorme. Parce que si la charge virale est abaissée, ça veut dire qu'automatiquement les symptômes cliniques devraient s'atténuer. Donc on ne peut pas dire, à mon avis, on ne peut pas balayer d'un revers de main le traitement à l'hydroxychloroquine si réellement, comme on l'a décrit dans la littérature, ça contribue à baisser la charge virale. À baisser la charge virale pour le vulgaire, c'est quoi? C'est-à-dire ça diminue la quantité de virus qu'il y a dans l'organisme. Si la quantité de virus qu'il y a dans l'organisme diminue, ipso facto, les manifestations cliniques devraient s'atténuer aussi. Donc, c'est pour dire qu'encore une fois, on ne peut pas balayer d'un revers de la main ce traitement dans la mesure où, s'il est vraiment démontré que ça fait baisser la charge virale, c'est un apport non négligeable. Donc, c'est pour dire que aussi bien les gouvernants que les scientifiques africains, eh bien, ont fait beaucoup de travaux. J'ai parlé des travaux malgaches, j'ai parlé des travaux de notre archevêque de Douala, Mgr Cléda. La seule chose, c'est que nous ne devons pas prendre les déclarations que ceux qui ont utilisé ces protocoles ont faites pour la parole d'Évangile. En science, on n'affirme pas, on démontre. Donc, il nous revient à nous, en tant que scientifiques, de prendre ces divers protocoles, que ce soit l'Artemisia, que ce soit le cortège qu'utilise Mgr Cléda, eh bien, et de les étudier scientifiquement. Si on arrive à démontrer que ces protocoles sont actifs, ben pourquoi pas, on va les recommander. Mais si des études scientifiques sérieuses démontrent que ça ne marche pas, ben là aussi, nous devons avoir le courage de le dire, de dire que nous avons essayé, ça ne marche pas. Parce qu'il y a ceci de bien en science, c'est que quand vous dites que vous avez découvert quelque chose, eh bien, les autres chercheurs prennent le protocole que vous avez utilisé, ils essaient dans les mêmes conditions que vous, et ils voient s'ils débouchent aux mêmes conclusions que vous. Parfois, ils peuvent déboucher aux mêmes conditions, aux mêmes conclusions, et dire que
vous avez fait du bon travail, mais parfois ils peuvent trouver des résultats contraires. Ou bien parfois ils peuvent trouver ce que vous-même vous avez trouvé et trouver d'autres choses que vous n'aviez pas trouvées, peut-être parce que l'échantillonnage que vous aviez utilisé était petit. Et à ce moment-là, eh bien, ça apporte un argument convaincant. Parce que l'homme de science ne peut être convaincu que par des arguments scientifiques, pas par des affirmations gratuites et pas par des trucs sentimentaux. En science, il n'y a pas de sentiment. Il faut prouver ce qu'on affirme. Donc voilà succinctement ce que je voulais dire sur... Et puis, sur la médecine traditionnelle, dans beaucoup de pays africains, on a utilisé diverses potions. Je ne condamne pas la médecine traditionnelle. Je rappelle toujours comment la quinine a été découverte. Elle a été découverte en Amérique, au Pérou, par un chercheur français qui s'appelait Pelletier. Et Pelletier s'était rendu compte que quand les indigènes du Pérou avaient de la fièvre, ils prenaient l'écorce d'un arbre qu'ils croquaient et puis ça guérissait leur fièvre. Donc Pelletier en a déduit que dans l'écorce de cet arbre, qui n'est autre que le quinquina, eh bien, il devait avoir un principe actif qui guérit le paludisme. Eh bien, plus tard, on a extrait la quinine du quinquina. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui encore, il y a certaines de nos plantes qui contiennent des principes actifs qui peuvent nous aider à traiter non seulement le corona, mais beaucoup d'autres pathologies. Nous devons tout simplement faire des recherches, eh bien, pour mettre ces principes actifs en évidence et pouvoir les fabriquer en grande quantité ou bien même les produire de façon synthétique. Donc voilà succinctement ce que je pouvais dire sur la réaction de nos gouvernants et de nos chercheurs en riposte à cette pandémie. Merci professeur. Alors, vous êtes président du conseil scientifique du plan David COVID-19. Quelle serait donc la contribution du plan David COVID-19 face à cette pandémie en Afrique et particulièrement au Cameroun aussi? Donc, mais vous savez, l'ambition de Panel Africa, c'est d'apporter des changements en Afrique, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan scientifique. C'est-à-dire que nous ne soyons plus des consommateurs des résultats vacheurs, des résultats des travaux des autres, mais que nous puissions nous-mêmes apporter notre contribution, si modeste soit-elle, à l'évolution de la science, à l'évolution des connaissances, que ce soit dans le domaine économique ou dans le domaine scientifique. Eh bien, en ce qui concerne le coronavirus, eh bien, le COVID-19, pardon, ben, le Panel Africa a l'intention d'apporter sa modeste contribution pour aider les chercheurs camerounais, en particulier les Africains en général, eh bien, pour s'engager dans le domaine de la recherche, que ce soit sur le plan clinique, sur le plan épidémiologique, sur le plan thérapeutique, sur le plan vaccinal, sur le plan même du développement des outils, que ce soit des outils de diagnostic, que ce soit des outils de traitement comme des respirateurs. Eh bien, nous ne devons pas simplement attendre que l'Asie, l'Europe ou l'Amérique fabriquent ces choses et que nous soyons là uniquement pour consommer. Nous devons apporter notre contribution. Et je crois que Panel Africa est disposé à apporter sa modeste contribution, à apporter des mesures incitatives à nos chercheurs pour les aider à pouvoir faire de recherche dans l'une ou l'autre de ces diverses directions, afin qu'encore une fois, eh bien, nous, Africains, nous ne soyons pas considérés comme des tarés, mais que nous soyons considérés comme des gens qui, eux aussi, peuvent apporter leur concours à l'évolution des connaissances, à l'évolution de la science d'une façon générale. Donc, c'est la contribution que Panel Africa envisage d'apporter et nous allons mettre sur pied une plateforme avec l'Université des Montagnes. Je crois que vous connaissez l'Université des Montagnes, je n'ai pas besoin de la présenter. Bon, quoi qu'il en soit, vous la présenterez à nos auditeurs. Donc, nous allons signer une convention de partenariat avec l'Université des Montagnes et puis même avec d'autres chercheurs africains. Et nous allons, dans le cadre de ce partenariat,
voir les petits moyens que nous pouvons mettre à leur disposition pour qu'ils participent aussi non seulement à la recherche clinique, mais de recherche thérapeutique, de la recherche vaccinale, la recherche même des outils diagnostiques comme les tests diagnostiques. Vous savez qu'actuellement, on ne fait pas les tests partout parce que les tests sont plus chers, très chers. Mais si nous-mêmes, nous fabriquons nous-mêmes les tests diagnostiques sur banc, ces tests deviendront beaucoup moins chers que si on les importait d'Asie, d'Europe ou d'Amérique. Donc, voilà la modeste contribution que Panafrica envisage d'apporter à nos chercheurs. Je dis bien, pas seulement des chercheurs camerounais, mais aussi des chercheurs africains qui veulent s'engager dans cette bataille. Et nous espérons que nous allons vaincre le coronavirus, professeur. Pardon? Nous espérons que nous allons vaincre le coronavirus. Mais je crois que si nous mettons au travail, il n'y a pas de raison que nous n'arrivions pas à le vaincre. Jusqu'à présent, le monde a connu beaucoup d'épidémies, beaucoup de pandémies, mais on a toujours eu le dessus. Alors, ce n'est pas le Covid-19 qui va faire l'exception. Donc, c'est une pandémie qui nous terrasse, c'est vrai, parce que, bon, on ne s'y attendait pas. C'est venu à un moment où on s'attendait à tout sauf à ça. Donc, ça nous a pris un peu de coup. Mais vous avez vu avec quelle vigueur les gens réagissent dans le monde entier. Mais avec ça, il n'y a pas de doute que dans un avenir pas très lointain, eh bien, on en viendra à bout. Nous l'espérons. Alors, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci vraiment, professeur, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie de cette opportunité que vous m'avez donnée de m'adresser à nos auditeurs. Et chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine édition de l'émission Plan David COVID-19. D'ici là, protégez-vous. À bientôt.